monsieur, bonsoir. Yon plaisir, on l'a fait encore pour entrer la KO pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien qui c'est rendez-vous. Un programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi et jeudi à ses premières éditions. Moi, c'est Jacqueline Belizer, avec un grand point et cap dominé actualité. Haïti a paré pour recevoir semaine ça un premier groupe policier Kenya pendant que les États-Unis bay police nationale là 10 blindés pour faire face à un phénomène insécurité. En République dominicaine, président Luis Abinader réélu pour un deuxième mandat 4 ans après élection générale qui déroulait hier dimanche là. Et puis leader mondial continue à exprimer condoléances bay pays Iran après la mort président Ebrahim Raisi dans un accident hélicoptère. Et puis procureur en chef dans la Cour pénale internationale là, Karim Khan, mandé pour mettre mandat d'arrêt des premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ministre défense là Yoav Gallant et principal leader Hamas dans Gaza pour crime contre l'humanité. Et c'est pour ça yo avec l'autre corps que nous allons développer pour dans un petit moment et puis n'a pas rappelé que samedi c'était 26e édition Compa Festival et VOA Creole t'est débarqué pour te faire vivre moment intéressant ça. N'a pas commencé avec nous allons en République Dominicaine côté président Luis Abinader tant qu'au sondage je te dis eh ben li remporté élection yo et il pral gagner pour eh ben exécuter un mandat un autre mandat 4 ans, nous allons rejoindre Sandra Exil depuis République Dominicaine. Ambiance la rue Saint-Domingue pas changé après résultat élection présidentielle et législative là. Yon sondage yoté annoncé. Luis Abinader gagne en majorité voix yo et l'a continué à diriger PIA pendant 4 années encore. Un meilleur résultat électoral respecto à l'obtenu en el año 2020, con más apoyo popular y con más votos. Attend yo gay en pile pour deuxième mandat présidentiel leader parti révolutionnaire Yowo. Abinader te aziré que c'est après le dernier mandat li malgré que élection législative yo poko fini. Parti révolutionnaire moderne qui sous pouvoir paraît comme parti majoritaire, ça qui pral permet à Abinader avancer priorité législative li yo. Là, il commence le prochain mandat li en août. Bataille contre corruption et développement touriste, ces points partisans président réélu yo te prendre en considération pendant vote là. Détracté Lio, en pile là-dedans yo, c'est deuxième place ancien président Leonel Fernandez. Cependant, yo tout d'accord sous continuation politique sévère contre immigration haïtien yon. Donc c'était Sandrine Exil depuis République Ayo. Pendant ce temps, il y a certains leaders politiques dans le pays d'Haïti qui ont même qui t'ont réagi par rapport à créer l'élection président Luis Abinader qui plaidait en faveur d'un changement vis-à-vis politique migratoire et République Dominicaine en et par rapport à Haïti. Renan Toussaint gain déclaration par plusieurs leaders politiques. On a rejoint depuis Port-au-Prince. Ancien député Serge Jean-Louis qui dit préférence li, c'était Leonel Fernandez. Li te souhaité remporter élection 19 mai 2024 là au lieu Luis Abinader. Parce que Leonel, pendant la période de mandat, on peut faire des mandats si je ne me trompe pas, moi, et haïtien, pas dit qu'il n'y a pas de persécuté, non, mais ou pas de venir au plus haut niveau que M. Tap fait des déclarations contre les immigrants haïtiens. Évoluer en République dominicaine contre les Haïtiens émigrés en République dominicaine. Quand monsieur de comprendre, bon mariage qui doit faire entre deux peuples, comprendre, pas fait pour gagner deux problèmes entre deux peuples. Donc deux peuples condamnés pour vivre ensemble, ça c'est ton politique, Fernand Delvin. Ancien député Jean-Louis dit pas attendre rien sérieux. Non mais Luis Abinader, surtout à relation haïtiano-dominicaine. Abinader, il a des problèmes très sérieux. Par rapport à comportement, anti-haïtien, une politique de l'immigration anti-haïtien inhumaine. Bon côté parle, Joseph Jean Rousselet, porte-parole parti politique Innovation, salue victoire président sortant Saint-Domingue et Mandel, réorienter politique migratoire République Dominicaine à Haïti. Nous demandons pour président Abinader repenser sur relation Haïti à République Dominicaine, garder comment nous capables de résoudre problème ensemble. Sans savoir que nous pas maltraiter haïtiens qui vivent en République Dominicaine, sans savoir que nous pas humilier, nous pas mettre dans une situation côté que yo pas capable circuler sans librement en dans pays en République Dominicaine. C'est créer condition pour yo vienne légal parce que tout pays si toutefois des possibilités pour immigrants légal, créer possibilité, créer stabilité en façon pour moins haïtiens pas
pouvait ou non situation difficile en République dominicaine. Plus passé 250 000 Haïtiens ont fait face à déportation forcée dans l'année 2023. Communauté internationale ont dénoncé ça et qualifié démarche ça comme raciste et puis demandé la Dominicanie camper ça immédiatement. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. N'a quitté élection en République dominicaine pour nous entrer dans l'autre sujet qui a rapport avec l'actualité dans le pays d'Haïti. Côté pays a préparé pour recevoir la semaine qui vient là et donc contingent 200 policiers Kenya pendant que les États-Unis baillent plus passé ou bien 10 blindés pour faire face à phénomène insécurité. Nous sommes sur place en Port-au-Prince, Yves Manuel. 10 nouveaux machines blindées ça y est, arrivé dans Port-au-Prince à dimanche là, réception lot matériel ça y est déroulé. En présence ambassadeur États-Unis dans le pays d'Haïti, Dennis Bruce Hanskins, 10 machines sa yo, selon la police nationale d'Haïtien, visait contribuer à renforcer capacité opérationnelle institution dans l'idée pour continuer bataille contre grand banditisme sous toute forme en de pays. Dans le finissement cérémonie sa qui était déroulé dans l'aéroport international Toussaint Louverture, commandement en chef police la France LB profiter renouveler engagement la police pour rétablir l'ordre avec la paix publique en pays. Machine blindée sa yo rive, c'est vrai. Cependant, bandi yo yo pa peur pour autant. Samedi que sot passé là, bandi armé yo qui te gen gros matériel nan men yo, commencé détruire prison civile Croix des Bouquets. La veille, bandi armé yo lancé yon attaque coordonnée contre coup des comptes à contentieux administratif tout près palais national. Matériel sa rive quelques jours avant déploiement première troupe kenyane dans le pays d'Haïti qui prévoit fait moi ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis un autre point qui marque l'actualité pendant le week-end, c'est fête drapeau. C'est comme ça, différents secteurs dans la vie nationale là, t'es défilé dans la rue pour commémorer 221e anniversaire drapeau haïtien samedi 18 mai. Massado Vilmé a fait ramasser pour nous. Rassemblement Madame Sarah Yo Ramsa, femme engagée pour Haïti, c'est quelques secteurs dans la vie nationale paysan qui étaient défilés dans la rue Port-au-Prince pour commémorer 221e anniversaire drapeau bleu et rouge haïtien. Coordonnatrice générale organisation femmes engagées pour Haïti, ancienne ministre conditions féminines et droits femmes, Marjorie Michel, plaide en faveur yo tête ensemble pour remettre pays à camper. Sentiment patriotisme ça qui t'est animé dans cette nouyo pour nous arriver gain l'indépendance là, qui pouvait arriver ben nous création de drapeau ça. Sentiment ça gon côté lié fruité. Lié fruité et nous vinn wè gain de monde ça pas dit rien. Gen de moun c'est plus c'est normal nan yo quoi c'est non fait payer mal l'on pompe ou gangsterisé ça y dit ou fait mal. Rassemblement Madame Sarah Yo Ramsa qui était allé dans même sens nan quoi tête ensemble c'est plus beau stratégie qui capable mettre sous pied pour retirer pays nan kachouboumbe li plonger là. Jocelyne Jean-Louis c'est présidente Madame Sarah Yo. Nous devons bataille pour nous gagner un bon état de droit avec un état qui là pour défendre intérêt peuple haïtien sans distinction. Mais cependant, pour nous gagner bataille ça, n'a besoin de courage dans cette nouyo, n'a besoin tout unité pendant n'a prend protection pour nous pas vinn ennemi propre tête pas nous. Cependant, il y a un membre conseil présidentiel pour voir transition, docteur Louis Gérald Gilles qui était assisté à défilé élève l'école évangélique Pommier au dans Pèlerin, commune Pétionville, dit conseil là travaille pour répondre à revendication masse là. 7 février 2026, pour conseil la permettre, c'est un monde qui aime un pays qui comprend la nécessité pour gagner l'école, qui pour combattre l'insécurité, pour nous retrouver, si Haïti chéri, Haïti m'tere mère. Nous devons rappeler aussi en baptême, en rassemblé en bas de Rapone, 221e anniversaire Bicolo Haïtien, fêté année ça. Et puis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Creole.
Merci, Massa de Villemé. Fandi que gen plusieurs côtés. Moun te capable en pile festivité qui marqué 18 mai dans diaspora et dans pays d'Haïti. N'a pas pour nous retourner sous yo. Mais nous prenons l'international là, côté procureur en chef, cour pénal international là, Karim Ham. Eh ben, lui mandé pour mettre mandat d'arrêt contre premier ministre israélien et avec quelques chefs dans Hamas. Nous parlons ça, puis près. The following international crimes committed on the territory of the state of Palestine. Procureur en chef Cour pénale internationale Karim Khan présenté une requête historique avec un paquet de mandats d'arrêt contre premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec ministre défense là Yoav Gallant avec principal leader Hamas dans Gaza parmi yo Yahya Sinwar en connexion avec la guerre israélo-Hamas là et au palais de crimes contre l'humanité. Karim Khan précise là, bureau li kwè Netanyahu ak Gallant doit porter responsabilité criminelle pour crime la guerre et crime contre l'humanité qui gen la dan kembe civil nan grand goût comme yon méthode la guerre ak attaque intentionnelle contre civil. Ces pays reconnaît droit Israël tant que tout l'autre pays pour défendre tête li, mais tout yo gen obligation pour respecter droit humanitaire international. Officiel ces pays a dénoncé toute situation otage nan Gaza. Gen pile raison pour quoi que otage yo enlevé en Israël, la kayo nan communauté yo, et ben yo kembe yo nan condition ki pa humain et en pile nan yo victime abus sexuel parmi yo viol à kidnapping. Cependant chef diplomatie israélienne nan dénoncé sa rele décision scandaleuse cour pénale internationale là, donc ce pays a ak mandat d'arrêt yo pour lui qui c'est un déshonneur historique côté lié et associé premier ministre israélien ministre défense là avec paquet monstre nazi assassin violeur groupe Hamas là et il finit pour dire Israël a goumé contre action ça qui voulait marimène pour pas défendre tête. C'est un gros point dans l'actualité internationale, là, surtout avec guerre Israël-Hamas. Là, nous parlons de l'autre point qui dominait l'actualité depuis hier. C'est le leader mondial qu'on a qui continue à exprimer condoléances sur le pays Iran après la mort du président Ebrahim Raisi dans un accident hélicoptère. Marie-Lise Pierre. Président iranien Ibrahim Raisi, ministre affaires étrangères Hossein Amiral Dolayan, à quelques autres autorités, ont été joints mourir jeudi lundi à un emplacement côté Tegan un accident hélicoptère dans le nord-ouest Iran, d'après sa média l'État rapporté. Équipe recherche ont été joints débris appareil là jeudi lundi à un jour après hélicoptère a été fait accident dans mauvais temps tout près Varzakan, dans la province Est Azerbaïdjan Iran. Média l'État a rapporté que passagers ont voyagé après un événement qui était passé juste par l'autre frontière à Azerbaïdjan. Côté où tu es rencontré avec le président Azerbaïdjan Ilham Aliyev pour inaugurer un projet barrage. Aliyev a affiché une déclaration sur plateforme X. Côté lui dit, lui bouleversé en pile par accident hélicoptère Résia et puis lui t'a offert la prière avec assistance lui comme un pays zami avec frère. Merci Marie-Louise Pierre et n'a pour tourner dans célébration bicolore haïtien drapeau haïtien 18 mai qui se passe là et activité ça a mené nous dans pays la France puis précisément dans ville Paris avec Edouard Franklin Jedems. C'est à Nessa, à Paris, que Fête Drapeau a fêté plus d'une dizaine d'associations, sans oublier fête officielle que l'ambassade d'Haïti en France l'a organisée. Non seulement qu'à fêter les spectateurs Voix de l'Amérique, yo, vivent deux cérémonies ou deux ambiances différentes. Une de ces cérémonies que l'ambassade d'Haïti en France l'a organisée dans la mairie 17e, à Paris, dans salle Jacques Chirac. Là. Et l'autre cérémonie, c'est cérémonie association Hibiscus qui est renommée dans l'organisation Fête nationale dans le pays de la France. En nous jeter tout d'abord un coup d'œil dans cérémonie. Cérémonie ambassade là. Cérémonie ça a été plusieurs diplomates, tant qu'un ambassadeur Espagne, Guy Lamotte, et un écrivain haïtien de renommée internationale, qui c'est Louis-Philippe d'Alembert, qui fait se recevoir prix Goncourt de la poésie. Et l'autre invité d'honneur ambassade là, c'est un musicien de renommée internationale, un classique, un virtuose, qui c'est Bitova au bas. Ambassadeur haïtien, Jean-Joseph Pierre Daumé, a démarré cérémonie avec un discours qui t'a rappelé rôle et signification bicolore haïtien. Le premier symbole de liberté et d'égalité face à l'esclavage et au racisme colonial.
invité d'honneur yo té égal à événement protocolaire ça. Té gen danse chorégraphie sous rythme folklorique haïtien, déclamation de poésie, passage de Louis-Philippe d'Alembert et un fameux concert de Beethoven ou Bach. La joie té blay nan ke participant yo, même si pour en pile nan yo, c'est Haïti yo ta souhaité pour fêter fête drapeau. Pour Beethoven ou Bach, c'est pour cause affaire ça du tout. Li déclaré li peur pour nation haïtienne nan, pas ta disparaître un jour. Parce que me senti que m'extène yo là dans un problème. Yo à fond dans problème pays. Parce que le drogue là pas qu'à entrer aux États-Unis, c'est parce que les États-Unis contrôlent l'île. Zam n'a pas qu'à sauter. Si zam n'a pas sauté pour devenir faire des ordres, la caillou me garantit nous t'a besoin nous t'a résoudre le problème là. Li important journée aujourd'hui que nous prenons conscience de ça. C'est pas nos problèmes. C'est pas nos problèmes, non. Nous, c'est bon bagaille. Quoi dans la tête, nous recommencer à conscientiser. Parce que c'est qu'on soit fondation. Yo là, il y a plusieurs fois nous recamper. Mais, prends compte de samedi, je dis. Je pense que si on a un résumé de tout ça, je dis. Prends compte de samedi, nous, je dis. Il y a des peuples qui disparaissent. Côté Hibiscus, John Steve Grenache. Qui sent-il fier pour te venir représenter le drapeau pays dans ville Lumière, puisque lui-même, c'est un monde qui chantait Lumière. Malgré tout, nous pas découragés parce que les bonnes paroles toujours finissent par gagner le dessus, et même quand il y a un petit nombre, en petite quantité. Et c'est ça que je dis à nous, quoi, que eh bien, toute haine division qui t'a prêché a fini par se tomber, mais pour parole de lumière, ça a été en l'air pour nous faire un pays plus bel. L'association Hibiscus a profité d'offrir une plaque honorifique à John Steve Grenache et aussi à Original H, Jazz Panam, qui t'a fini, fait de la peau. J'aime Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix d'Amérique, Créole. Voilà, c'était célébration fête drapeau dans le pays, la France, dans la métropole. Et vous souvez au créole. Vous suivez un programme dans la créole haïtien. Et puis, 18 mai, VOA Creole descend dans Floride. C'était pour 26e édition Compa Festival. Toute équipe là, t'es là, nous allons rejoindre Valério Saint-Louis avec toute l'autre, toute reste collaborateur. Célébrer fête drapeau. Une célébration qui justement déroulé sous tout un week-end, puisque depuis jeudi, tu déjà gagné activité, mais main activité, hein, c'était 26e édition Haitian Compa Festival qui était déroulé dans Bayfront Park sous Biscayne Boulevard, justement côté nous là. Effectivement, Fatigue, pendant l'appel, et bien, tout est préparé au cas où il y a uniforme, sur tout le monde, comment était bien habillé avec drapeau sur eux. Et c'est de façon qui était marqué 221e anniversaire fête drapeau haïtien. Ça fait 26 ans depuis Noël et c'est si bon production a réalisé Haitian Festival Compa dans Miami, Floride. Si vous avez commencé à venir 3-4 heures côté de danser et puis prendre plaisir, les organisateurs eux-mêmes là depuis bien bon tout bagaille. Dans la journée, nous avons des choses à parler avec Rodney Noël, un organisateur qui parle nous plus de détails. Haitian Compa Festival, c'est un rendez-vous que tout artiste, musicien, jazz, promoteur, entrepreneur, et tout haïtien sorti tout partout respecté dans affaire célébration fête drapeau. Bonheur dans matin, mise en place a commencé. Sous podium là, tout bagaille a checké. Son, lumière, et puis sécurité, ça très important. Pendant préparatif, nous t'ai rencontré avec moun qui déye gros événement culturel ça, qui gagne 26 ans depuis la fête, Rodney Noël. 26 ans après, nous pas déjà pensé nous t'avons réalisé ça. Et je dis, nous avons dit que nous établissons un événement dans la communauté haïtienne, côté communauté à Karuini, côté nous avons notre image de ça que nous avons là à nous. Et sans tout en honneur, malgré les difficiles, et financièrement les tough, nous avons décidé pour que la communauté décide pour promouvoir la culture à Karuini. Ce n'est pas gagné facile dans la communauté par nous, surtout avec la culture, nos mentalités écrasées, et au cas où tout dérapage. Il y a même deux trois festivals dans le même week-end, il y a même cinq balles le soir. Ce sont des choses qui sont vraiment inexplicables et intolérables en même temps. Depuis qu'il y a une opportunité, il n'y a pas d'opportuniste. Oui, mais oui. Parfois, il n'y a pas qu'on a tout, il n'y a qu'à déstabiliser un événement qui est établi. Parce que si on perd, comme on arrive à leur camper. Et puis, il m'a souhaité que les gens fassent des audios, t'es couvert. Même des stations américaines qui nous font promotion, yo douze et on a plus gros événement haïtien dans le monde pour eux-mêmes. Nous faisons billboard en trois années consécutives. Nous quoi nous faisons en 2001, 2002 et 2003. En 2001 nous étions 8e sur 15e plus gros événement que t'es fait sur tous les États-Unis.
combien moun en tout en maximum 26 ans après qu'on estime pour mener là. En fond de toute bagaille bici financièrement moun yon ti jan pas de moyens d'achat encore parce que il est difficile parce que pas jour événement li marché avec rapport et il est très relatif par rapport à l'économie. Surtout entertainment, c'est une dernière bagaille que nous avons choisi après le sorti dans la maquette. Nous-mêmes, nous sommes gros victimes, tout le monde qui est dans le monde musique ou bien artistique, surtout et qui target maquette haïtien. Le fait qu'on perde Haïti pendant 7 ans, depuis 2016, business musique haïtien a tombé, il a souffert parce que nous perdons Haïti qui était noyau business. Parce que Haïti, c'était 60% business qui était représenté. Donc, il a affecté business là tout. Ça a diminué le chiffre d'affaires. Non. L'année passée, nous étions à 10-12 000 personnes, le chiffre nous était baissé. Mais l'année ça, je pense que nous avons sold out parce que nous avons tendance à remplir le marché pressé. Drapeau n'a fêté là. Il y a petit moins de 12 ans qui fête ici. Je pense qu'il y a petit monde qui fête ici. Tout, c'est fierté, c'est celle fierté, ça rien. Et je dis à petit haïtien qui fête ici, ou plus haïtien, et qui haïtien qui a vu la caillou. Ils viennent développer un patriotisme extraordinaire. Et c'est ça Compa Festival représente. Parce que Compa Festival, c'est bon festival, c'est un mouvement. Événement Haitian Compa Festival, ça a définitivement imposé dans le Sud État Floride là comme une référence de tout ça qui est haïtien. Le festival Musique Compa qui t'a célébré dans le contexte Fête Drapoa dans la cour Miami, c'est pas seulement artistes, musique, l'ambiance là, qui était sous scène. Eh bien, à côté de scène, en dedans parc, des fonds parc, là, nous avons remarqué que tu as l'autre ambiance qui est plutôt commerciale. Nous sommes marchands, nous sommes pile marchands de manger, nous sommes businessmen, entrepreneurs haïtiens qui viennent offrir service à la communauté haïtienne, ça, qui te fait déplacement en grand nombre. On a regardé ça de plus près avec Gentil Junior Augustin. Nous venons là juste pour nous capables de déguster ensemble avec la communauté. Manger la caille pour nous capables de nous mettre plus proches de la communauté. Même Jean-Coy, vous avez bougé avec bon musique, vente que vous avez besoin de remplir tout. Comme ça, nous avons passé où est-ce que vous mangez, qui t'a servi les gens qui t'ont venu prendre plaisir dans le festival. Nous avons eu le Canada, nous avons eu la France, nous avons eu Jamaïque, nous avons eu toute nation qui vient supporter. Nous avons eu Fruta, nous avons eu tout le bagage. Et on remet Grio. Et nous gèl la, nous remet Pâté. Et on remet Majaïsè, tout Majaïsè. Nan jounen kote tout Haïtien qui pa viv Haïti rassemblé pou kiltiya, musique, danse et latriye, mais en pile Haïtien profite nan occasion sa pou pote servisyo ak communauté ya. VOA Creole te parle ak yon Haïtienne kap travay nan domaine immigration ki te présent nan pak la pou ofri servis li. Fèt la très bien, nous très content là avec communauté ya. Parce que c'est important pour nous vivre dans la communauté, pour nous parler ensemble avec eux, pour nous faire reconnaître qui est ce travail dans la communauté haïtienne. Nous sommes en avocat immigration, nous sommes aimants et leur groupe, nous travaillons là, nous localisons nos fortes là-dedans, nous avons un service sur l'immigration et nous faisons un service sur l'immigration que qui pas trop présent dans la communauté haïtienne, la communauté haïtienne n'a pas trop connu de lui-même. C'est pas seulement affaire manger, immigration, mais tout, même une institution qui est dans le domaine santé, t'a expliqué VOA Creole que l'hypothèse service médical là bay public là à travers une application. Donc Mobi c'est une plateforme qui connecte patients avec docteurs. C'est-à-dire que vu situation, donc ça qui fait différence nous c'est que non seulement patients ont capable en consultation en ligne, il y a opportunité pour nous faire requête pour que médecin à la caille patient pour le bail soin médicaux et aussi nous permettre que moun à l'étranger qui prend consultation pour famille en Haïti comme ça que yo ka loué docteur pour que yo pa gen pour gen souci pour payer frais et puis de là étant n'importe qui soin que yo besoin additionnel que c'est médicaments que c'est suivi dans l'hôpital que c'est test nous gérer tout ça et si famille en diaspora veut faire ça donc les cas toujours lié opportunité ça pour prendre soin famille n'importe qui côté dans pays à distance. Compa Festival c'est un rendez-vous chaque année. Tout haïtien toujours prend jou ça pour faire rencontre ak zanmi yo pendant y a célébrer bicolo national là yon façon pour continuer voyer kilti haïtienne nan pi ou. La 26e édition Compa Festival n'a pas réussi à ça sans participation avec contribution artistique qui fait tout ça été capable pour animer public là. Et bien fanatique était bien content mais tout problème pays d'Haïti à tout il pas quitter indifférent. Glorieuse Nelson t'es pas là avec quelques familles, mais ça a été gagné pour dire. Quelques artistes haïtiens qui t'a participé dans la 26e édition Haitian Compa Festival là, t'es partagé à Glorieuse Nelson qui Jean Christ pays d'Haïti a affecté yo. D'abord, on a commencé avec chanteur Jean Belloni Murat, alias Bello. Espoir à la punie.
Espoir, c'est nous qui avons créé. Espoir sorti dans nous, qui c'est nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, ou bien nous-mêmes qui sommes dans le pays, ou bien si jeunes, l'avenir. Parce que de toute façon, ça me dit engager moi-même seulement, il va engager les médias ça. Pas un haïtien qui a l'air, je veux dire. Qui tout bandit, qui tout grenègue, qui tout mulap, qui tout classe moyenne, qui tout malheureux, ou pas à l'aise. Pas de monde qui est à l'aise. So, abrivons-le, on a obligé d'accord pour nous reset le système, pour nous créer des conditions pour nous vivre. Emmanuel Oba, beaucoup de parle, chanteur groupe Musique Musique, lui-même garde la crise à Haïti avec un autre jeu. Mouvement comme fait que les Haïti à la son, fait que ça que nous connaissons. Que ou doit engager, moins doit engager. Engager, c'est un plein crié, non, parce que nous faisons vina pour un plié. Puis nous avons musique en 87 qui est la gueule. Jodi, en 2024, la gueule là aussi valable que la en 87. Mais imaginons, ça veut dire que nous pas améliorer, sinon que nous régresser. Donc, si vous pas engagé en la société, ou pas qu'à demander pour un changement, soit plein, ou pas fouer quoi on a pas politique là, vagabond à plein. Il a choisi pour vous, il a décidé pour vous, et il a bon ça y vous voulez. Il a volé ou pas gagné ou qu'a fait que subi ça vous fait. Engagez-nous, prenez poste, fouez quoi dans la politique là. Dites non, le ça, ou a gagné moyen ou dit attention, ça va bon, n'a pas changé. Pour Chel Guillaume qui est bloqué aux États-Unis depuis février, eh bien, il croit que la crise là, pas de dire trop longtemps et que il est pour responsable de une solution. Bah, il est difficile, nous tous nous dans la même situation, nous sommes à l'étranger. Même situation parce que nous chargeons la famille en bas. Moi-même, je suis en Haïti. Il est 18 février, il est 19 février, je suis en Haïti et le pays a bloqué dans le jeudi. Nous sortons en mardi, le pays a bloqué dans le jeudi. Donc ça veut dire que nous tous avons travaillé, mais nous voulons tourner dans le pays, nous voulons vivre dans le pays. Nous avons un petit espoir. Nous avons un petit espoir que nous avons un petit espoir. Nous avons découvert un jeune artiste haïtien qui est le King Street. Qui n'a pas longtemps depuis la vie aux États-Unis. Mais même comme artiste, King Street, je ne sais pas pour l'autre, mais je ne pas fêter. Cause depuis, je ne suis pas fête. Parce que cette fête-là, c'est quelque chose lié. Pas une fête. Je dis, ok, 18 mai, on son date pas lié. Mais pas une fête. Pour moi, même pas une fête. Ou est-ce que je ne pas une fête, justement, par rapport à ce qui a passé en Haïti? Hein? Ouais, pas une content. Mon frère, je pas content. Parce qu'en bas, je papa m'en bas, tout le monde en bas, famille en bas, amis en bas, l'autre patrie, tout le monde est content. Tout le monde a caché. Pas une fête. J'ai remarqué que les célébrations fêtes de drapeau dans la diaspora en général sont gros causés. Effectivement, moi j'ai rencontré des gens qui sont partout dans l'Amérique du Nord, j'ai rencontré des gens qui sont au Canada, j'ai rencontré des gens qui sont au Georgia. Malheureusement, mon Haïti n'est pas capable de déplacer, venir célébrer, venir fêter cette drapeau dans le Haitian Festival. J'ai quelques gens qui ont fait ça. Mais les gens qui étaient là, ils ont amusé, ils ont été capables. Malgré tout, ça va empêcher que l'équipe ait déposé. Déjà, je dépose les frères et les fans qui étaient très satisfaits. Même les gens qui n'étaient pas satisfaits à 100%. Parce que les artistes que mon été voulu, mais que malheureusement, quelque chose à raison, ils n'ont pas présent dans le moment. Mais quand même, nous pensons que c'est parti au ministre l'année prochaine, la plus bonne toujours. Tout à fait. Je souhaite combien qui t'a regardé ou satisfait de différents reportages que nous te présentons. Vous remarquez que nous présentons en bas une chaleur, un soleil, une chaleur intense dans Miami. Un chaleur qui va avoisiner aux environs 90-92 degrés Fahrenheit. C'est ça qu'on remarque que presque nous toutes là nous mouillons en sueur. De toute façon, avec toute équipe technique VOA Creole qui est sous place dans la Miami, nous vous remercions encore une fois. Nous allons rejoindre Jacqueline Bélizère depuis le studio nous dans Washington DC. Nous disons gros merci à Valério Saint-Louis, Glorieuse Nelson, Jean-Robert Philippe et nous pas oublier l'équipe solide qui était derrière en parlant de Gary Altidor, Fred Kaimit, Gentil Augustin Junior, Monsieur Jean-Marc Hervé Abela, Creole Palais, Creole Comprendre. Mes amis, c'était ça, VOA Creole te descend et nan Miami pour 26e édition Compa Festival là et n'a là encore l'autre année et tout côté gain événement et ben VOA Creole toujours présent c'est Mac Fabric nous donc restez toujours branchés sur VOA Creole pour qu'on tout ça cap passer surtout avec Fête de la Voix. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans programme, c'est un plaisir. Comme d'habitude pour nous te servir, nous remercier Chang Wang qui derrière, Nelson Neg qui même musique haïtienne, on ne peut plus et puis toute l'autre équipe là et puis dès jeudi à nous tout annoncer que mais chef service nous a retourné Sandra Lemaire qui a retourné une jeune, bien songé lui. Nous souhaiter que eh ben là pour content tout retrouver nous. Moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir et à demain.